الأخ بونس، هل تعرف اللاعب علي بن شيخ الذي فاز بكأس إفريقيا مع مولودية الجزائر سنوات السبعينات؟ هل تعرفه؟ وما هو اللاعب الذي تعرفه في ذلك الوقت؟ Non. علي بن شيخ. Non, je connais pas Ali Ben Sheikh. C'est vrai. Oui, je connais pas. Il a joué avec l'Algérie, milieu terrain. Oui, mais le milieu terrain, je connais Ali Fergani. Fergani. Ah. Oui, Fergani. Oui, Ali Fergani, parce que lui, il a marqué les esprits. Oui, 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 il a marqué les esprits. Il pouvait, je vous dis qu'il pouvait courir, tenir le ballon, courir tout le temps. Hein. Ali Fergani, c'était un peu deux fois le joueur qui joue à Chelsea. Le joueur français, international Kanté, français. Kanté. Kanté. Malien. Oui. D'origine malienne. Oui, d'origine malienne. Kanté. Oui. Alors, Ali Fergani, c'était deux fois. Deux fois. Oui, Kanté. Ah bon? Oui, 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 Kanté. Deux fois. Deux fois, on n'a pas. Mais Ali Fergani joue au milieu offensif, c'est pas défensif. Mais oui, mais tu n'as pas l'impression. Parce qu'il a battu un travail défensif et un pas offensif. Il était très très fort. Il y a eu des joueurs comme ça. Il y a eu des joueurs, je vous dis, si Lakhdar Belloumi aujourd'hui avait son talent. Oui, Lakhdar Belloumi avait son talent aujourd'hui, il aurait eu le ballon d'Européen. Ah, oui, 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 oui. Belloumi, c'est un magique. Oui. Lakhdar, il aurait eu son ballon européen. Et Madjer, il aurait eu le ballon européen. Madjer, oui. Oui. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a la Madjer. Des joueurs dans l'époque des années 80, les meilleurs joueurs d'Algérie. Numéro 7, c'est qui? Sassad. Sassad. Numéro 8, c'est Fergani. Ali Fergani. Numéro 9. Numéro 9, Mustapha Dahleb. Non, Dahleb, c'est 10. 10? Non, non, c'est Lakhdar Belloumi qui avait le 10. Oui, oui, je joue le même poste. Oui, Lakhdar Belloumi avait le 10. Tej Bansa. Bansao. Ben Saouda, oui. Bansaoula, Tej. Oui, mais je dis, le 10, c'était Belloumi. Le 10? Oui, le 10. Et vous ne connaissez pas Benchir? Non, Benchir. Jamais. Non, il n'est pas. Peut-être que j'ai vu jouer, oui, mais lui, il ne m'a pas tapé à l'œil. C'est. Fergani. Oui, Fergani, lui, il dérangeait au milieu de terrain. Hein. Turbo. Oui, oui, dérangé. Il avait peut-être 4 poumons. Oh. Oui, oui, non, ça. 4 poumons, oui. Vous connaissez Kassi Saïd? Kassi Saïd, oui. Gendouz. Gendouz. Noureddine Kouachi. Vous savez que Mila avait des problèmes avec Gendouz et Noureddine Kouachi. Zorga Maraskan. Non, peut-être pas, oui, peut-être que ça avait un problème, mais je dis les joueurs qui m'ont marqué. Hein. Maroc. Et le gardien, j'oublie le nom. Oui, le gardien, j'oublie le nom. Serbah ou Drid? Oui, il était très bon aussi, le gardien. C'était une équipe complète. Et le coach algérien à l'époque? Khalef. Oui. Non, c'est pas. Oui, c'est Khalef. Oui, mais vous savez, à Guillaume, c'était le 16 juin, à Guillaume. En Espagne. Quijón. Vous avez le 16 juin, vous avez. Oui, oui, vous avez. Et puis c'était. Oui, la Grande Allemagne. La Grande Allemagne. Alors, c'est peut pas. La Grande Allemagne avec Schumacher au goal, avec Stilike, défenseur, Karl-Heinz Foster, Briegel, hein. Vous avez Rummeniger, Lidbaski, tout le monde, vous savez. Et Benchir, il n'a pas joué le mondial à l'époque? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de lui. Ouais. Vous avez gagné un bon mondial à l'époque? Toute l'équipe d'Algérie a fait un bon mondial. Vous savez que le match entre l'Algérie et l'Autriche, c'était la honte. L'Autriche et l'Autriche. Oui, le match de la honte. Oui, mais sinon, l'Algérie était très très forte. Et même le Cameroun à l'époque était très très fort. Je me souviens du match Cameroun-Pologne. Parce que la Pologne était contre la Pologne. Le Cameroun a marché sur la Pologne. Contre l'Italie, même chose. Parce que après, l'Italie gagne la coupe du monde. La Pologne joue les demi-finales. Et l'Allemagne joue la finale contre l'Italie, donc vous voyez, et ces équipes-là ne sont pas parvenues à battre les deux représentants africains. Merci. Donc, mais je pense qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas développer notre foot. Parce que j'ai vu, il y a quelques années encore, quand on parlait du Mouloudia d'Alger.
d'Alger, Mouloudia Doran et Mouloudia Doran. Oui, ouais. Oui, donc Mouloudia. Oui, donc. Et tu as vu. L'entente de Sétif. Oui, le temps qui a été perdu parce que le football était avancé et on a perdu beaucoup. On a perdu, oui. Un mot pour les Algériens, dans 30 secondes. Oui, mais je voudrais que si le Cameroun ou l'Algérie se qualifient, si c'est le Cameroun qui se qualifie, que les Algériens supportent les Camerounais, et que si c'est l'Algérie qui se qualifie, que les Camerounais supportent l'Algérie. Merci. Voilà. Merci.